Bonjour à tous, bonjour Pierre, on est ravis de vous commenter ce match, même si c'est vrai qu'on aurait préféré des conditions climatiques un petit peu plus sympas. La pluie vient de s'inviter en effet, alors attention aux appuis et aux ballons glissants évidemment. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre le Real Madrid face au Sporting Gijón. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Morata. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. De Jotsop. Non. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Et la voilà la frappe. Alors il y a un peu un match dans le match hein, dans cette rencontre, Pierre. De Jotsop. Isco. Voilà, récupère le ballon dans la surface. Kroos. Lucas Vasquez. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Choisit la frappe. Et non, le tir qui est contré. Ils construisent, ils font tourner. Morata. Il prend sa chance. Ballon bien négocié par le gardien. Nacho Cazes. Diotsop, on s'approche du but. Ouais, le Real qui récupère la balle. Marcelo. Le Real Madrid qui a priori devrait s'imposer sans trop de soucis aujourd'hui, hein, c'est du moins ce qu'on attend. Diotsop. Isma Lopez. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Morata. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Morata qui se défait de son adversaire. Ouais, c'est le Real qui aura cette touche. Lucas Vasquez. Isco. Oh oui, la bonne option. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Sadio Ramos. Gareth Bale. Bonne récupération au milieu de terrain. Sergio Alvarez. Oh, il y a beaucoup à jouer sur ce contre. De Jotsop. Et le gardien, c'est pas fini. La pluie qui a fait son apparition hein, pour ce match. C'est un facteur qui peut avoir son importance. Je pense notamment aux balles qui fusent et aussi aux appuis qui seront peut-être un petit peu plus délicats. Le centre. Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment. Toni Kroos s'est sauvé in extremis. Pratiquement sur sa ligne. Et le Real qui pour l'instant doit se contenter d'un 0-0 alors que la pause n'est plus très loin. Mateo Kovacic. Ouais, peut-être une situation intéressante là.
Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Sergio Alvarez. Ouais, bien joué l'interception. Isco. Isco. Gareth Bale. Ah, il n'y aura que 2 minutes hein, de temps additionnel à jouer. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Une lecture du jeu hein, sur cette interception. C'est la mi-temps ici donc. Pas de but marqué, 0-0. Que diriez-vous sur la prestation au cours de cette première période de Gareth Bale? Je trouve qu'il a été transparent, pas de but, peu d'occasion. On attend quand même autre chose en grande période, donc peut-être falloir qu'il se fasse un peu de violence. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. De Jotsop. Non, sans... La grosse occasion pour prendre l'avantage. Morata. Il va y avoir un autre en côté Real. Paris qui est toujours là. C'est la pluie. Ouais, on vient de voir l'arbitre examiner la pelouse à la pause. Bon, il a estimé que c'était toujours praticable pour l'instant. Là, il est à la récupération au milieu de terrain. Sergio Alvarez. Isma Lopez. Les 30 derniers mètres. Ouais, bonne séquence collective, hein. Bien joué. Carvajal. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Oui, bien donné cette partie. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Le gardien qui empêche l'adversaire de prendre l'avantage sur cette action. Il récupère ce ballon dans l'entrejeu. Kroos. Très beau geste défensif. Il y avait danger. Il fallait le faire. Ouais, faute. La faute du joueur du Real. Je crois qu'il va être averti. Oui, par contre, jaune, l'arbitre est très clair. Gareth Bale. Isco. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Morata. Et le but. Ouais, ils prennent l'avantage. Ce but d'un autre point de vue. Il va donc falloir attendre la deuxième période pour l'ouverture du score. Tiens, Jimmy. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Nacho Cazes. Ouais, le ballon qui circule. Une frappe lointaine, on sait jamais. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Hein, parce que le jeu, c'était pas là. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Il parvient à stopper cette offensive. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Ouais, il perd le ballon, bon tacle.
ça n'ira pas plus loin. Isco. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Sergio Alvarez. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, il y avait de l'inspiration. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Ah, le bon tacle, ce sera une touche. Marcelo. Cross. Isco. Mateo Kovacic. Entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente. On voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Tony Kroos. Ah, ça ne passe pas. Le score qui ne bouge pas alors que la fin du match approche. On sent que la moindre accélération pourrait être fatale. Touche en faveur du Real Madrid. Allez, changement dans quelques instants. Andrés Zidane. Les supporters qui poussent pour voir leur équipe tenter de changer ce résultat. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression en cette fin de match. Le Real Madrid qui s'approche du but. Allez, qui va reprendre ce ballon. Victor Rodriguez. Varane, elle est bien anticipée. Isco. Mateo Kovacic. Caval. Et ça circule sans problème. Bonne conservation. Ouais, la lutte à après un peu reprendre ce ballon. Moy Gomez. C'est l'attaque de la dernière chance. Il ne reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Ouais, très beau geste défensif. Il a évité la catastrophe. Caval. Et ça y est, l'arbitre qui vient de siffler à l'instant la fin de cette rencontre. C'est le Real Madrid qui s'impose. Ah, quel match, hein. On ne s'attendait pas à voir une si belle résistance de leur part. Ah, un petit mot sur la performance de Morata dans cette rencontre. Ouais, une superbe prestation avec notamment le but de la victoire, ce qui est quand même important. Il a fait